Bonjour, jour 22 de ce temps de l'Avent, de la venue de la lumière. Hier, nous avons accueilli ce tournant. Aujourd'hui, cristallisation. Ce tableau vient comme une condensation, une cristallisation de lumière dans une part qui nous est offerte aujourd'hui. Et que sommes-nous sinon cette cristallisation de lumière, cristallisation de joie, cristallisation de paix? Nous avons parlé, abordé ensemble la neige que nous avons accueillie dans son long manteau de pureté. Aujourd'hui, je vous invite à aller plus profond, traverser ce manteau pour y voir plus précisément chacun des flocons qui composent cette neige. Chaque cristaux, chaque flocon est unique dans sa structure et pourtant composé du même matériau, la lumière, la neige. N'avez-vous jamais vu un enfant ou un adulte ou ouvrir grand la bouche pour essayer, lors de la descente floconneuse, d'attraper un flocon ou deux? Parfois, les enfants se rappellent que les flocons sont merveilleux, qu'ils portent en eux la pureté, et ils s'amusent à les attraper, avec les mains ou avec la bouche. Et quand, par magie, un flocon se pose sur la main suffisamment près pour que je puisse l'observer, je peux voir à quel point il est délicat, merveilleux, magique, parfaitement structuré. Il est composé d'eau, comme nous-mêmes. Alors aujourd'hui, à l'instar du travail de Masuro Emoto, je vous invite à vous souvenir que nous sommes composés d'eau et que les cristallisations sont en lien avec les énergies que nous laissons circuler en nous. Nous avons traversé de merveilleuses énergies lors de ce chemin de l'Avent, grâce à la toile de François. Vous pouvez choisir une des énergies traversées pendant le calendrier ou une qui vous vient maintenant et accueillir la cristallisation correspondante de l'eau de votre corps, comme si j'étais une bouteille d'eau remplie, pleine, et que je pouvais accueillir les cristallisations correspondantes à tout ce qui est juste et bon, tout ce qui vibre plus grand, plus haut, tout ce à quoi je veux m'associer, tout ce que j'accepte de vibrer à nouveau. Je vous souhaite une belle cristallisation floconneuse et lumineuse au-dedans de vous aujourd'hui.